Apolline de Malherbe a reçu Magali Berda sur le plateau Apolline Matin ce vendredi 21 avril sur RMC. Une occasion pour la papesse de la télé-réalité de revenir sur le cyberharcèlement dont elle se dit victime depuis plusieurs mois. Il est celui qui a permis de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Depuis plusieurs mois, Booba s'est donné une mission, celle de mettre fin aux arnaques partagées par certains candidats de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Parmi ses cibles figurent plusieurs stars du web, comme Dylan Thierry, Maeva Ghenam ou encore Magali Berda. Loin de se laisser faire, cette dernière a d'ailleurs choisi de saisir la justice afin de mettre fin aux nombreux messages reçus par Booba et sa communauté. Après avoir porté plainte pour cyberharcèlement contre le rappeur au mois de juillet dernier, la femme d'affaires a fait le choix de déposer une plainte contre Twitter pour complicité de cyberharcèlement, comme évoqué ce jeudi 20 avril sur France Info. Un nouveau rebondissement qu'elle a tenu à expliquer ce vendredi 21 avril sur le plateau Apolline Matin présenté par Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe interpelle Magali Berda après avoir expliqué pourquoi elle poursuivait le réseau social tenu par Elon Musk en justice. Magali Berda a été questionnée sur son choix de continuer d'être présente sur les réseaux sociaux. Vous dites que vous vous réveillez avec la boule au ventre, dans l'angoisse des messages que vous allez trouver dans votre téléphone, que vous vous couchez angoissé de ce que vous allez recevoir dans la nuit. Pourquoi vous ne quittez pas Twitter ? Au moins vous n'aurez pas cette angoisse chaque matin, vous n'avez qu'à pas les regarder, a déclaré Apolline de Malherbe. En fait, le problème n'est pas Twitter. Je pars du principe qu'on ne peut pas dire ça à une personne qui est harcelée. Si est-il le même cas qu'on retrouve à l'école, dans ce cas-là on ne va plus à l'école ? On ne peut pas dire à une personne qui a été agressée « tu ne sors pas parce que tu as déjà été agressé », s'est défendue la cousine de Capucine Annav. Une bataille dont elle espère bien arriver à bout.